Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous sommes toujours du côté du Mali, où dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes en abrégé FAMA, deux hélicoptères de combat flambant neufs et des radars russes ont été réceptionnés par le chef d'état-major général des armées. En effet, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a réceptionné ce lundi 18 avril 2022, au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, deux hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est exactement à minuit 45 que le cargo russe transportant les deux hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Madjibo Keïta. Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne à moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, affirmé le général de division Oumar Diarra, source présidence de la République du Mali. Alors les amis, telle est la situation actuelle où nous voyons encore la Russie qui témoigne une fois de plus son soutien indéfectible envers l'État malien, plus précisément les forces armées maliennes. Qu'en pensez-vous? Laissez donc vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information, toujours sur Africa Miniature. Bye bye!